Moi, je choisis parler dans un moment ça pour expliquer quelques des informations qui ont circulé sur la police là et porter une parole institutionnelle qui cadre avec réalité, avec vérité. Premier point, c'est question blindée. M'a fait opinion publique là connaît que la police là pas engagé aucune négociation avec bandits village de Dieu pour récupération blindée. La police a été informée que blindé a été abandonné au côté. Le nous connaît qui ça un matériel comme ça présenté comme danger pour la population et pays. Nous te prenons toute disposition de sécurité au-delà de toute considération pour aller chercher. Quant à corps policier qui est toujours dans le village là, la police n'a pas ménagé aucun effort pour les retrouver. Mais tout moyen pour arriver à un résultat ça. Pas doit exposer Brice Soukou, la vie de l'autre policier, à même qualité danger qui t'a frappé policier nous yo 12 mars là. C'est peut-être ça, n'a pas cherché qu'un dialogue permanent avec famille qui besoin corps petit pour yo enterrer. Ça pays a tant de nous dans situation ça, n'a fait. C'est un engagement et n'a respecté. Sous décision qui prend après événement yo concernant IG Boucher, c'est pour les policiers qui ont quitté l'inspection générale, fait travail. Piga, aucun policier a mis absent sous clou, n'a pris la rue, demandé libération. Ça a fait dans la rue, démontrer que Massieu commence à tomber autour de ça qui est 609 là, qui c'est un groupe qui n'est pas marié avec l'ordre, avec discipline institution. Opération la rue, jeudi 17 là, marié avec même intérêt personnel qui te fait échec opération vendredi. Tout à coup, Phantom 509 profite de situation pour recommencer à faire des ordres parce que la police l'a géré souffrance psychologique que l'homme Fred Damli provoqué. L'arrivée sorti malgré la population crachée déjà sous vieille pratique liée qui s'est boulé machine à ouvert porte prison. Je prends la rue pour empêcher l'inspection générale d'établir la vérité sur ce qui s'est passé dans l'opération. Comme commandant chef, c'est de moi et c'est de voir pour me chercher connaître comment un plan qui était si bien préparé fait bail un si mauvais résultat. Pour me fixer la responsabilité et prendre bon genre de décision, même s'il est difficile. Je demande à tous les policiers qui sont dans l'arrière pour rentrer dans la base. Des autres libérés policiers qui sont Garde à vue d'Elma, c'est un acte délinquant qui n'est pas cadré avec la loi. Comme ça, nous avons 10 policiers qui, de bonne foi, qui ont un droit de demander pour quoi camarade qui est dans le village. Mais ils ont des gens pour faire. Il faut que dans un moment difficile, tous les policiers évitent que les gens qui sont à la base de sac privé, directement ou indirectement, pas exploiter encore pour faire des cabesses. Institution de la police là, c'est solution à chercher un problème qui a rongé la société et spécialement le kidnapping. Il n'a pas fait partie du problème. Là. Mais le policier a revendiqué dans la rue, alors qu'il y a un canal aujourd'hui qui est syndicat pour faire un message de passer. Il a passé vie institution. Moi, je voulais que les policiers comprennent qui danger ils mettaient sous tête institution. Le yogin comportement ça. La police a pi grand passé tout membre li, même le li gen 25 ans. Nous tout a pralé, n'a quitté le. Mais nous pas gen droit quitter mauvais dette pour ça k'ap venir yo. C'est pour ça n'a demandé tout policier ak population k'ap marcher côte à côte ak PNH là et souffrir ak li pour yo continuer croire nan li parce que li pap mouri et li pa gen droit mourir. Le ténèbre a fini. Lumière, Géboul, Blaï. Vive PNH, vive Haïti.